Et le bonjour. Bonjour ma Kalina, j'espère que tu vas bien. Bon, je lance plutôt parce que j'avais envie, hein. Surtout. T'es mieux avec l'image? Quoique, je sais pas s'il y avait eu l'image tout à l'heure. Mais elle est de plus en plus courte ou c'est moi? Twitch, elle me respecte pas. J'en ai fait une pour Cheryl. Mais du coup, je suis en train de penser, elle va pas l'entendre. C'est con. Je sais pas, mais tant que ça fait. Ça va, le son, c'est bon, c'est pas trop fort ou. N'hésite pas à me dire. Et coucou, l'orchestre. Ta voix est trop faible. Donc la musique est trop forte. Non? Coucou princesse. Là c'est bon. Attends. Là c'est bon. Faut pas que je parle trop près non plus parce qu'après je crois que je vais saturer. Perfecto Bruno. Ok. Coucou princesse. Comment ça va? Oh, le soleil arrive, dis donc. Il devait faire moche toute la journée. Enfin, il y a quelques jours, ils annonçaient du beau, puis finalement, bah, là, ce matin, c'était ils annonçaient du moche. Mais là, le soleil est là. Je sais pas. Alors, j'ai avancé un petit peu hier soir devant le live de Didi. J'ai mis le en doré celui de Winsor & Newton, mais c'est chiant, faut tout le temps le brasser. Tout le temps, tout le temps. C'est chiant. Mais bon, le résultat est quand même bien. Et sur les lèvres, j'ai mis une aquarelle de Marie. Je sais plus à chaque fois laquelle c'est. C'est pas ne... C'est Iris. C'est Iris que j'ai mis sur les lèvres. Et un tout petit peu de Winsor & Newton. Coucou, Little Colonna. Et ben, bonne app. Ça fait tout gris chez moi, mais tant que ça pleut pas, ça me va. Mon jardin est un marécage. Oh, tu m'étonnes. On a marre quand même de la pluie, là, ça serait bien que ça. Qu'on puisse profiter un peu de l'extérieur, quoi. C'est Liam, il a un plateau, du coup, en extérieur, là, samedi. Bah, demain. J'espère qu'il va pas faire trop mauvais. Là, on va faire en noir. Je sais pas si les petits reliefs de la peau, je les accentue en noir ou si je les fais un petit peu en doré. Perso, ici à Toulouse, il fait hyper bon, même voire chaud. Mais c'est pas juste. Nous annonce ouais, chaud la semaine prochaine. On verra bien. Tu fais celui-là? Non. T'as pris quelle teinte, toi? Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai déjà fait dans le Mytho Morphia, mais là, je suis dans le Couleur Morphia. Couleur Morphia. La lumière allumée, ouais. Ça fait sombre. J'ai pas d'avis pour ta méduse. Moi, j'attendrai de voir plus de serpents. Ouais. Les serpents, j'hésite encore. Parce que là, il y a un serpent, là, il y en a un autre. Il va falloir que j'arrive à dissocier tous un peu. Donc, il y en a qui vont être plus noirs que d'autres gris, je sais pas. Encore. Je l'ai pris là pour ma pause déjeuner. Je suis dans le mytho, moi, je le connais pas ce livre. J'ai pris un teint vert, bleu-gris et les tours des yeux en rose-rouge. J'ai pris une image de rêve sur Pinterest. Ok. Ouais, celui-là, c'est un best-of.
J'ai galéré pour le trouver. Il était sorti chez Marabout pourtant. Mais le chat était sur fond noir. Mais j'ai pas trouvé. Mais bon, je le voulais parce que je voulais. Elle est où cette page? Attends. Cette page-là. Je voulais cette double page-là avec les méduses. Donc bah, j'ai pris le livre pour la page. J'en ai déjà fait un dans celui-là. Ah oui, j'ai fait ma double page Jurassique. Je l'aime bien. C'était une roulette de cassis, ça. Actuellement, je finis de manger, coloriagement. Je vais commencer le fil violet de Taz. Ah oui. T'es toujours en avance, toi. On est là. Moi, je l'aime bien. Mais j'ai le gesso noir qui vieillit mal. Il faudrait que je le fixe, vu que je fixe pas mes colos. Ou que je mette des pochettes plastiques, ça serait peut-être plus. Voilà. Et dans le mytho, je l'avais fait. Attends, est-ce que je l'ai à côté de mytho? Normalement, oui. Dans le mytho, j'avais fait ça. J'avais rajouté des yeux. Oh, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je l'ai fait, celui-là. J'ai pas colo encore pour le mois d'avril, je suis grave à la bourre. Arrête, on est combien? Le 5. J'aime les yeux de serpent. Merci. Ben là, non, j'ai décidé de lui faire noir. Mais je sais pas encore si je vais pas rajouter un petit truc avec le doré, peut-être. À voir. Bon, il faut que je me lance dans les serpents, mais je sais pas trop comment. Comment? Et moi j'ai encore le Dembo à faire. Et du coup là c'est lequel ce mois-ci dans Taz et ses mignons? Oui, du coup j'ai Dembo en retard. Ah c'est lui. Je sais même pas comment il s'appelle. Ah, faut que je le fasse. Normalement, j'en aurais fini un. Ouais. C'est vrai. Mais bon, pour une fois, c'est bon. No prochaine. Je connais les million big mistakes. Je vais peut-être mettre un gant. Là. Je sais pas non plus, mais il a une bonne tête. Je sais plus. Pourtant, je l'ai regardé, Frère des ours. Le 1, le 2, peut-être pas. Le 2, peut-être pas. Oh, la mouche. Non, mais. Oui, à peine il fait beau, il y a déjà des mouches. Non, mais. Ça va d'aller. C'est hier soir, les enfants, ils ont pris leur goûter sur le balcon, du coup. Du coup, on a laissé ouvert. Et ben voilà, c'est rentré. Je suis déjà pas douée pour poser un brise-vue sur ma vitre. Alors, pour poser une moustiquaire. C'est mal barré. Big mistakes. Et du coup, mes grilles vont bien souffrir là. Si je, en plus, je fais Dembo derrière. Smart. So naïve.
Fuck. Fuck. Moi, elles dorment dans le caisson des volets roulants. Lol. Ça se trouve, c'est pareil chez moi. Je vais peut-être pouvoir avancer un peu. Je sais pas, de toute façon, je fais que du gris, du noir. C'est pas ouf, hein. Habituellement, je fais plein de couleurs, mais là, souris. Fuck. Coucou une petite ange. Comment ça va? Alors pour les moustiquaires, ils font des trucs que tu colles le long de la fenêtre et ça fait un scratch et tu colles la moustiquaire par-dessus. Bon, faudrait que je regarde. Parce que je pense que ça pourrait être utile pour cet été. Bon, les petits vont faire que de vouloir rentrer, sortir, et jouer sur le balcon, rentrer, chercher à boire. Et... ça va faire que ça. Only small future. T'es dans le chouchou? S'il n'a pas de retard, le chouchou, c'est bien. Et s'il n'y a personne qui passe sous le chouchou aussi. Valentine. Valentin. Ah, sorry. Ah, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. La SNCF. En parlant de... J'arrive pas à couper le son. C'est con, vous avez pas entendu. Merci Laurette pour le follow. Et on arrive bientôt au bout là. 186. Merci, bienvenue à toi. Les ailettes sont jamais assez fortes. Pourtant, elles sont à 100. Faudrait que ce soit automatique. Dès qu'il y a une alerte qui passe, boum, ça coupe les sons. Mais c'est pas possible. Je pense pas que ça existe. C'est là qu'on voit qu'on est influencé par Cassie. C'est ça. Mais carrément. Valentine. Bon, bah. La sienne est forte, par contre, hein. La sienne est forte. Vas-y, dis-moi comment je vous influence. Wesh, coucou Sorette. Comment ça va, Cassie? Elle est forte, la tienne. Punaise. Smile Valentine. Oui, une petite ange, elle est dans le train. Et 50 minutes de retard. Franchement, ça pue. Hein. On dit pas merci la SNCF. Par contre, j'avais des plus clairs hier soir. Ils sont passés où? J'ai fait une alerte follow du coup avec la SNCF. Mais...
assez bien, sauf s'il est en retard, si quelqu'un est passé en dessous. Mais oui. Du coup, oui, j'ai fait une alerte follow spéciale SNCF, mais on l'entend pas avec la musique. C'est con. Ah bah c'est ceux-là, les gris. Putain, je les vois verts. Mais oui, on est influencé par Cassie. Les secrets, non. Les moyens de transport n'ont plus de secrets pour nous. On sait ce qui se passe dans les coulisses. La phrase est à plus dans le bus, à demain sous le métro. Bah oui. Pas sous le train, mais quand même, ça arrive aussi. Ça arrive peut-être moins souvent quand même que les gens se jettent sous le train. C'est peut-être plus rapide par le métro. Je sais pas. T'as les chiffres, Cassie? Parce que la dernière fois que je suis descendue, il y a effectivement quelqu'un qui est passé dans un train 3 heures de regard. Non, 3 heures de retard. Bah faut avoir un métro à dispo. Bah oui, c'est vrai. Amiens, non, j'ai pas. Ils ont pas voulu du tramway non plus, donc à part les bus. Et bah c'est les trains. Ah bah voilà. Perso, je prends plus le train, j'ai trop la poisse avec ça. C'est chaud ici, jamais à chaque fois que tu prends le train. Ah ouais, non, ça craint là. Ne le prends plus, mais pour rendre service aux gens en fait. Pas que pour toi. Il y a moins de trains sur les rails SNCF, mais d'un autre côté, il n'y a personne qui veut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un dégénéré et le long des rails, c'est pas très sécurisé, alors que dans le métro, on est quand même sous tunnel quasiment tout le temps. Ouais. Et au retour, 1 heure de retard, car on devait faire un détour pour 100 personnes, et au final, colis suspect dans la gare, et on devait les déposer. Moi, ça va, les trains, je touche ma tête. Ouais. Au final, ils ont débarqué et on est reparti, mais bon, 1 heure de retard et j'arrivais à 23h30 de base. Oh mon Dieu. This is the moment, tonight is the night. Sympathique. Bon, on va en faire des plus gris, des plus noirs. Enfin, je sais pas trop. On va voir. Tonight is the night, feel fatigued et sauve, so la pour la hands up. Lui, on va peut-être lui faire des petits reflets verts. Pour revenir sur le colo, tu as fait une couleuvre avec du noir et un effet doré. Ou c'est vraiment le doré genre Midas. J'ai fait le doré dans les serpents avec le Winsor & Newton. Et la bouche, c'est Iris de Marie. Créa 2015 sur Vinted. Là, vous voyez pas ce que ça rend. Peut-être plus sur le noir. Gold. This is the moment. Iris. Parce que vous voyez pas tout le temps. Voilà, là tu le vois pas. Là tu le vois. Là ça va, je reste une semaine sur place et je rentre samedi soir. Donc au pire, monsieur viendrait me chercher. Ouais. Ah bah là, je l'ai pris 4 fois dans ma vie pour 2 allers-retours. Premier trajet colis suspect à Paris. Alerte à la bombe du coup. Mais je vais pas, j'ai jamais avoir le temps à chaque fois de couper la musique. Coucou.
Menica Art, c'est ça? Bienvenue, merci pour le follow. Et il nous avait pas enregistré pour le Interrail de Londres. Et au retour de Londres, un suicide, donc 5 heures de retard. Et l'autre trajet, ça a été une rupture. Oh, oh la poisse, carrément. Merci. Je travaille mes ouvrages quand j'ai pas la flemme. Tu fais du colo toi aussi? N'hésite pas à nous partager si tu as un compte Insta, on peut aller voir ce que tu fais. J'ai tellement de marge de progression quand je vois ça. Ah. Moi, je fais du colo depuis 2016. Donc. Et je commence seulement à ombrer un peu plus. Je vais aller voir. Je vais faire un copier-colle là du pseudo. Hop. Et je suis curieuse de voir. non, je ne veux pas les notifications. Merci, monsieur Instagram. Ça va être ça. Oui. Enfin, quoique. Tu fais du dessin? Sur Insta, je viens de poster le tout premier colo. C'est le... Attends. Le trou. Le roi lion. Punaise, il vient de loin. Et là, l'outro de cette chanson est toujours... Va falloir que je l'enlève parce qu'elle est vraiment trop longue. Non, j'ai pas envie d'écouter celle-ci. Non plus. Allez. Nostalgie. Attends. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est ça. C'est un coloriage mystère. C'est le. Bah en plus c'est le premier ça. J'en ai pris deux, un mystère, le best-of des grands classiques, et un de Kirby Rosan, mais je me fais la main sur les mystères pour ne pas faire trop n'importe quoi sur ce trop beau livre. Oh, j'ai commencé Kirby Rosan au début aussi. Il y en a beaucoup à qui ça fait peur, mais franchement, faut y aller. Attends, il est là, je crois. Le début, moi, ils sont horribles. Horrible. En plus, c'était des pauvres feux de pourri, je pense. J'avais pas les teintes. Il y en a, ils ont pas les bases, moi j'ai pas les teintes. Je sais pas si je l'ai fait. Ah, mais je l'ai pas fait celui-là. Regardez-moi comme c'est moche. Je m'étais plantée à plein d'endroits. Puis j'aime pas quand ils font. C'est pas blanc dans les zones blanches. J'aime pas. Ouais, celui-là, je l'ai commencé en 2016, je l'ai fini en 2019. Hein. Ouais, 2016. Horrible. Jafar le cafard, il est dégueu. Le mythe et légende? Ouais, je l'ai aussi. J'en ai fait qu'un, je crois, dedans. Oh, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Même en 2020, c'est des super tips. Ça fait des traces. C'est moche. Mon premier au crayon de couleur. Mon premier à ranger. Là, je suis sur celui-là avec les feutres acryliques. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai toujours pas mes pots, alors. Mes teintes de peau. Non, je ne l'ai pas fait du coup, celui que tu as fait. Ouais, tu veux pas prendre de feutre parce que ça fait des traces. Ouais. Puis les feutres alcool, tu peux pas. Ça traverse. Donc si tu veux pas de traces, c'est crayon de couleur. Mais c'est encore trop près là. Quoique, non, ça va.
Ah ouais, le mystère. Puis leur technique du tout petit rond, la flemme. Moi, faut que ça aille vite. Quand on voit le tome 1 et maintenant, on voit l'évolution des colos. Mais oui. Là, c'est crayon et aquarelle sur le fond, mais vive le papier. Ah, ou le papier pourri, bah achète Heroes, quoi. Hein. C'est compliqué, à part dans les vitraux. Mais du coup, ton Mythes et Légendes, tu l'as en quelle édition? Marabout, non c'est bien, c'est le bon pa il est bon le papier marabout. Le nouveau papier marabout est très très bon. Le mythe et légende, il est canon. J'en ai fait qu'un dedans. J'ai une suggestion à te proposer par rapport à ce colo-là. Vas-y, princesse. Parce que t'as quoi comme, comme crayon du coup, Menka? I think I know. Il supporte l'eau, le papier. Oui. Oui. Oui, c'est un bon papier, hein. Le papier marabout, tu peux y aller, hein. J'ai le cercle de la vie en marabout. Et j'ai fait de l'aquarelle dedans, ça passe. Et mes deux autres Kirby, je sais plus lesquels j'ai en marabout, mais j'en ai en marabout, c'est sûr. Aux confins du cosmos, je l'ai en marabout. Et le mythe et légende, je l'ai en marabout. Ah, la copulation? Ça a changé quelque chose? Pourquoi pas faire les yeux en doré? Ça lui ressortirait bien le noir dans les yeux de la méduse. Ouais, c'est ça, j'hésite à rajouter des yeux, mais encore, je sais pas encore trop sous quelle forme. Par contre, si je fais juste un rond, si je fais des yeux de serpent, je sais pas encore. Coucou Cheryl, t'as pas de son? C'est dommage. Parce que j'ai fait une alerte à Cheryl. Attention, attention, j'ai fait une alerte pour Cheryl. Vous êtes prête? Mais pourquoi j'ai fait ça? Ce matin, j'étais pas là, je crois. T'as quelques polychromos? Polychromos, ils sont très bien. Coucou Mag. Vous avez tous des pseudos avec quasiment les mêmes couleurs, c'est perturbant. Les Black Edition, moi je les aime pas. J'arrive pas à colo avec. Je les trouve. Enfin, je sais pas, j'arrive pas encore. Faut que je leur je redonne une chance, mais j'ai du mal. Mais les polychromos, ils sont très bien. Mais je préfère les prismas. Les polychromos, moi, je les utilise pour les effets de texture, les cheveux, les poils. T'as entendu un petit Ah bah oui, non, mais de toute façon, faut y aller mollo, hein, parce que tu sais pas. Puis faut tester. Faut tester avant, parce que acheter une grosse gamme de crayons. Si c'est pour pas les aimer. Bah, les Black Edition, t'as pas le choix. Hein. T'es obligé de prendre la boîte pour. Faut que j'essaye les like fast. Mais je les trouve pas par chez moi. Va falloir que je les commande. Que j'en commande. Que j'en trouve quelques-uns. Mais pour trouver un combo sur Vinted, accroche-toi. Donc, me prendre quelques combos sur le géant ou je sais pas quoi, un autre site. Fais surtout attention quand tu veux les tailler car il est
probable fortement que ton taille-crayon décède. Bah oui, la forme, bah ils ont la même forme que les DecoTime, les crayons de chez Action. Il faut trop penser aux crayons de chez Action. Ouais, le dalle, il crie, ouais. Il se mélange avec les polis, ça passe. Ouais, mais Prisma, je vais devoir casser le PEL. Ouais, mais puis, ouais, il faut attendre vraiment la bonne promo et voilà, surveiller Amazon US. Si tu es avec les blagues, il est peu probable que tu apprécies les Prisma. Ouais, c'est peut-être trop gras. Si t'aimes bien les polis, si t'aimes bien faire du couche par couche. Ah bah, les Prisma, ça fait le job tout seul, hein. Ça se mélange, c'est de la crème, hein. What you are, baby. Les chromaflots, oui. Et du coup, tu les reçois quand, Cassie? Parce que t'as craqué, tu les as pris, là, les 150, 120, 120. À chaque fois, je vais poser la question. En mai? Ok. Ah ouais, quand même. Non, 150. Coucou Danette, ça va et toi? Les Intense, ils sont bien les Intense. Je me tâte hein, franchement à reprendre les teintes qui me manquent, mais. Bon. Allez, mon Derwentilou. On va en faire un beaucoup plus foncé en dessous. Lui, on va le faire très noir. Là, les papes. Tu as déjà des crayons aquarellables? Je pense pas que. Bon, ça fait quoi? Ça fait un an que je stream. Mais oui, je stream 3 fois par semaine. Le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Normalement, je commence à 14h, mais aujourd'hui, j'avais envie de venir avant. On va plus le voir, lui. Il va falloir que je lui fasse quand même. Je rajoute du gris par-dessus. Qu'on le dissocie quand même du fond. Après, j'avoue qu'en cire ou huile, bah je connais pas la diff encore. Ouais, faut que tu testes. Je suis désolée, la musique est trop forte. N'entend pas les alertes. Merci pour le follow, petite! J'adore le pseudo. Oui, les Inkten, c'est de l'encre. Hein. Tu peux pas vraiment le retravailler comme tu peux retravailler un Albrecht Dürer. Et toi qui aimes bien les polychromos, peut-être que ça serait peut-être plus Albrecht Dürer. Derwent, les Inkten. Et c'est de l'encre, les Intense. Ah, t'es en vacances? Bah, profite bien. Profite, ça va passer vite. La meuf. À l'huile, ça va être quelque chose de plus sec, avec une pointe qui va rester plus fine, agréable pour faire des effets poils et cheveux. Et le mélange va souvent se faire par superposition de couleurs. Voilà, Cassie. On menace, baby. Aujourd'hui, je suis en repos. J'ai pas le droit de sortir, sinon je vais faire des achats, mais lol. Comme si ça t'empêchait de faire des achats d'être chez toi, hein, Cassie? Je m'arrête à 16h. Tu reprendras derrière? Oui! Tu lanceras un peu avant, comme ça je te raide. Twitch, il est pas gentil avec les pseudos. Pas cool. Non, mais j'aime bien. Don't you agree? Don't you agree? Bon, on va rajouter du gris. Parce que je veux qu'il. Oh, putain, peut-être quand même.
Là, c'est ménage chez les beaux-parents qui débarquent pour... Oh. Ah bah t'as de la chance, ils te l'embarquent. Oh punaise. J'ai encore essayé de négocier, moi, un pack. Mais... Liam qui va peut-être y aller pendant les vacances de Pâques. Ils vont avoir la Wi-Fi. Ils auront la Wi-Fi normalement, donc il voudra peut-être y aller. Mais est-ce qu'il va vouloir y passer plusieurs jours? Les papy et mamie sont pas chauds, mais... Oh, mercredi. Pas la deuxième semaine, du coup, parce que la première semaine, il est en stage de foot. Mais Jade, elle veut pas y aller. Ça va colorier sec la semaine pro, du coup. Merci. Je veux ce pseudo. C'est à moi, c'est le mien. Je comprends. I know you got my back and you know I got you, so come on. One overnight. We got a choice. Merci Mac pour le lurk. Bon après-midi à toi, des gros bisous. C'est mon mien. Le soleil arrive, c'est trop bizarre. Je m'y attendais pas aujourd'hui. Du coup, ça c'est quoi là? Ah moi je suis souvent là. C'est quoi ci, c'est quoi ça? J'ai 134 crayons et j'ai l'impression que j'en ai pas assez. J'ai déjà déclenché une frénésie d'achat et d'addiction au colo. Au secours. Ah non mais les débuts c'est... Tu veux tout, tout, tout de suite. C'est après, j'ai été chez Action pour tester l'aquarelle. Ah non. Les aquarelles irisées, oui. Mais les autres aquarelles, non, passe ton chemin. Ça vaut pas le coup. Mais alors le début, oui, on est. Combien de crayons j'ai? Bah déjà j'ai les 520 bruts de Fenner, donc ça fait déjà beaucoup. Mais voilà, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9 trousses. 9 trousses. Mais il n'y a pas qu'une gamme par trousse. Coucou les colos. Comment ça va? On continue. On continue. Tomber, tomber. Alors. Lui, on va le faire. On peut le faire très foncé ou. Lui, il a très très foncé, lui. Les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Ils vont tirer des fois pour rentrer tard. Faut que tu saches, ma grande. J'y connais rien alors. Ah, les bruts de funeur, je pensais me les prendre. Mais t'en as beaucoup de bruts de funeur, hein? Donc, il faut faire un choix. Chez Action, n'hésite pas si tu trouves les feutres acryliques. Oui, je voulais y aller aujourd'hui, j'y suis pas allée du coup. J'irai la semaine prochaine. Et si je vois les feutres acryliques, je m'en prendrai deux boîtes. Avec la pointe pinceau ou brush, c'est marqué. Ils sont super pour le prix et ça fonctionne très bien sur les livres mystères. J'ai fait un chéri. Bon, je dois plus payer un aller-retour au Portugal. Alors, 520 crayons. J'en ai pris, il me manque les bleus. Mais ça doit pas être les feutres acryliques. Les 150, 180, 180, les tournesols, 180 tournesols, ils sont très bien. Ou les 520, les 520 sont bien aussi. Je me suis trompée, je fais Dumbo. C'est celui du mois dernier. Moi aussi, il faut que je le fasse. Je suis en retard, il faut que je fasse Dumbo, plus celui des frères des ours. Enfin, c'est pas des feutres. Ouais, tu dois te tromper là. Si c'est. T'as, normalement, c'est, il y a 12 teintes dans le carton. Parce que, ouais, il y a des feutres acryliques, il y a des feutres aquarelles, il y a des feutres à alcool. Il y a trop de trucs.
La boîte à 3,50 €, c'est 12 feutres pour 24 couleurs. Ah oui, c'est double embout. Quand je rentre sur le beat, Vita Kills, quel titre qui te met la pression sur le beat. Mais je pense que j'irai la semaine prochaine. Faudrait que je me reprenne du papier aquarelle aussi. Je sais pas si je me reprendrai pas du papier noir. Je sais pas ce qu'il me reste en papier noir. Parce que je voudrais aussi me faire les nuanciers et les sortir sur papier noir. Parce que comme ceux-là, j'aimerais bien me faire les petites cartonnettes comme ça. Aussi. Pour les mettre juste derrière. Je n'en veux pas. On va de chez toi. Demain. Dix aquamarqueurs. Ah, c'est des aquamarqueurs, c'est ceux-là. Ça, tu peux les utiliser dans tes livres de colo. Moi, je les mets sur la planche à découper. La planche à découper action, truc à acheter si tu fais de l'aquarelle ou quoi. Tu mets dessus, tu viens avec ton pinceau à réservoir d'eau. C'est lequel celui-là, 227. Bon. Ton pinceau à réservoir d'eau, tu viens prendre ta couleur et après tu vas sur tes livres de colo et pop pop pop, tu fais. Voilà. Franchement, les aquabarqueurs, moi je m'en sers comme ça. J'ai rose vert. Vert qui tire sur le turquoise. J'ai le nez qui commence à se boucher, moi. Je vais être malade pour le week-end. Puis en plus, se foutre dehors, ça va être génial. Je voulais me prendre une boîte de crayons Artix. Il y en a parmi vous qui connaissent. Je suis novice dans colo et j'aimerais bien commencer. Les Artix, il y a deux boîtes. Il y a une boîte de 72 et une boîte de 126. Moi, j'ai les 126. Je peux te montrer le nuancier si jamais tu veux. Il y en a beaucoup qui les comparent aux Prisma, mais non, ce n'est pas des Prisma. Vous ne trouverez pas de dupe de Prisma. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ils sont. En Brut Fenner, il y a les Squares aussi. Alors. Ça c'est quoi? Non. Chez Cartix, j'en ai trop. En Brut Fenner, il y a les macarons aussi. Là, les Artix. C'est le kit pot. J'aimerais bien voir ce qui donne le kit pot en Brut Fenner. Les collines. Ouais. Mais bon, là, faut commander sur Amazon Japan. Hein, donc, peut-être pas quand tu débutes, je pense. Ouais, prends la boîte de 126 par contre. Après, tu peux la trouver sur Amazon, tu peux aussi la trouver sur AliExpress. Mais. Nuancier des Artix. Il y a des teintes qui sont assez similaires au Prisma. Voilà, c'est ça. Il y a des teintes similaires au Prisma. Mais c'est pas des Prismas. Moi, je les trouve plus secs que les Prismas. Je vais y arriver ou pas? Je suis trop près. Il n'y avait pas les acryliques de DecoTime, il n'y avait que les avec je sais pas ce qu'ils valent. Mais ça arrive, ça devrait arriver. Plus gras que Brut Fenner? Non. Brut Fenner, ils sont gras les Brut Fenner. Les 180 sont très gras. Les Brut Fenner macarons sont un peu plus secs, mais ils sont bien aussi. Et les Brut Fenner macarons complètent parfaitement une gamme. Voilà, si tu veux une gamme pastel, les Brut Fenner macarons, ils sont très très bien. Moi, je les utilise avec mes polychromos, avec mes prismas. Merci pour les conseils. J'ai pas envie de me sentir frustrée car j'aurai pas les couleurs. Non, non, les Artix, ils sont pas mal aussi pour débuter. Et du coup, c'est une gamme de 126. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Oui, tu as du choix dans les couleurs. Ouais, si, Artix, c'est pas mal. Je pense que c'est mieux Artix que les Colorial et Imaginor. Eux, ils sont vraiment trop gras. Ils fondent les crayons. On voit les gens qui les utilisent sur un ou deux colos. Le crayon, il a déjà bien baissé. Donc. Ah, attention, Tazella. L'entrée fracassante de Taz. Attention.
C'est quoi ce lien? Say goodbye. Les Artix. Les 126, ouais. Mais toi, t'as, tu les aimes pas. Elle aime que les prismas et les collines. Alors. Star de Wish. La façon de les utiliser, c'est comme les prismas, les Artix comparés aux polys. Voilà. Ils sont. C'est pas aussi sec. C'est pas. Tu peux. Tu vas pouvoir faire du couche par couche, mais que le poly, t'es obligé de faire du couche par couche. Ouais, il y a Amazon, t'as, tu pouvais pas avoir plus court. Et je voulais vraiment des crayons de qualité qui sont intenses en couleur, donc ça confirme. Ouais. Pour commencer, oui, Artix ou Brut Fenner 180 tournesol. Franchement. Ou si vous avez la foi, vous n'avez pas peur de commander sur Amazon Japan, prenez les collines. Step by step. Ça va, ça ira mieux. Si j'avais. Ah, les notifs. C'est pour ça que j'ai envoyé un message sur le groupe. J'ai fait ménage, pris ma douche, alors que Val était en live. Merci, pas merci, Twitch. Non, mais les notifs, moi, je les ai jamais. Ouais, les collines sont vraiment pas mal. Mais bon, faut commander sur Amazon Japan. Non. Ça aussi, il faudrait que je pense à me reprendre une deuxième boîte. Non. Mais je sais pas si pour les Black Edition. 150? Non, 120, Collins. J'ai la boîte juste là. J'ai la boîte vide à côté. C'est 120, les Collins. J'ai craqué ce matin. J'ai fait des alertes pourries. Du coup, j'hésite entre Brut Fenner et Artix. Mais la boîte. Allez, les 520, ouais, là, t'as de quoi faire. Les 520, voilà quoi, c'est. Si tu fais du mystère, ouais, je dirais 520. Mercredi. Le nuancier est tellement gros que j'arrive pas à l'attraper. Ouais, c'est le. Ouais. Le nuancier des Brut Fenner 520. C'est quelque chose. Je me suis amusée. Je vous le cache pas. C'était. Ouais, si tu fais du mystère, prends la boîte de Brut Fenner 520. Franchement, ouais. Parce que là, tu vas vraiment avoir ce qu'il te faut. T'as tellement de teintes de vert, de teintes de bleu, de teintes de rose, de teintes de violet, t'as tout. Voilà. Moi, tous ces roses là. Ah bah 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 bah. Ah bah bah. Les collines. Ouais, le lien des collines. Love. Mais ouais, les. C'est juste pas pratique. Parce que ça prend de la place. J'en fais, mais vu ce livre comme un départ, j'aimerais partir sur du Kirby et compagnie prochainement. Bah. Mais Brut Fenner 520, ça passe dedans, hein. Pas de soucis. T'aimes bien l'annonce pour Cheryl le... Taz, qu'en penses-tu? Peut-être celui-là. Que tu t'aimes. Mais moi, Kirby, j'ai commencé avec les Brut Fenner 180. Baby, I love you. I love you, I love you, I love you. No.
Ça lui va comme un gant. Là, je me dis pourquoi prendre les 180 si c'est pour prendre les 520 après. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que les 520 n'existaient pas. Mais ouais, je les ai mais mes 180. D'ailleurs, j'avais acheté une boîte et j'ai reçu les aquarelles à la place. L'annonce n'était pas claire. Je savais pas trop ce que j'allais recevoir et j'ai reçu les aquarellables, les bottes Fenner aquarellables que je vous conseille pas. Et du coup, bah après, j'ai recommandé les Brut Fenner Tournesol. Après, j'ai commandé les Brut Fenner Square. Moi, je teste les Brut Fenner. Il y en a qui disent que c'est la même chose, les Brut Fenner Square et les Brut Fenner 180. Et moi, je dis non. Non, 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 c'est pas pareil. Je préfère la boîte Tournesol. Je ne m'exprimerai pas, je ne veux pas être responsable de cet achat. Est-ce que tu as essayé les bruts qui sont carrés? Bah c'est ça, c'est les squares. C'est les squares. C'est pas la même qualité. Je trouve que c'est pas la même chose. Je trouve le Brut Funor 180 plus crémeux, plus gras que le square. Et dans les squares, je sais plus combien il y en a. Si c'est pareil, s'il y en a 180, je sais plus. Au moins, je sais plus. Bon, ça c'est les Brut Fenner 180. Mais les squares, je l'ai fait le square, mais je sais plus c'est qui. J'en ai trop. Vous le savez, de toute façon, j'ai trop de crayons. Les collines. Les Albrecht. Oh, les Albrecht. Faudrait que je fasse un truc pour les aquarellables et les autres. Ah, j'ai des Black Widow aussi. Mais ça, là, quand on a toute la gamme, ça revient cher au final. Je me dis. Mais non, les squares, c'est pas pareil. Le square est carré, ils sont carrés. Non, mais la boîte 520, c'est la même que Tournesol en Cali ou pas le même? Je veux pas dire de bêtises. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les 180. On va en prendre. Regarde les squares, ils sont là les squares. J'en ai combien? Mmh. 120? Il y en a 120 déjà de squares, donc c'est pas les mêmes. Alors on va prendre De toute façon, j'ai pas les mêmes teintes non plus, donc celles qui disent que c'est les mêmes, bah, je suis désolée, hein, on n'a pas les mêmes teintes. Hein. Ah, puis pour les tailler, c'est... Attends, et 520. Est-ce que je prends la bonne trousse? C'est con, c'est que c'est la même trousse pour tous mes Brut Fenner. Donc je sais jamais où sont lesquels. Alors, c'est bon, on a les roses. Donc les Brut Fenner 520, ils sont ronds. J'ai pris quoi comme teinte? C'est pareil, on va pas avoir même teinte non plus. Parce que bah c'est pas les mêmes crayons, quoi. C'est pour les mêmes. Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Feuille, feuille, feuille.
Feuille, feuille, feuille. Ça. Et ça. Les squares. Moi, j'aime pas. Déjà, rien que le tenir un crayon qui est pas rond, je trouve ça pas agréable à la main. Moi, je le trouve pas spécialement gras comme le 180, le square. Je dirais plus que c'est comme un Artix. Alors, le 180. Qui est plus gras. Et que dès que tu appuies un tout petit peu, et ben là c'est bon, voilà, faut s'attendre à avoir du dépôt, hein. Mais voilà, dès que d'appuie un tout petit peu, bah ça fond, ça, voilà, c'est gras, c'est gras. Moins pigmenté, le brut normal, le square. Et là, c'est le brut 520. Je dirais que c'est peut-être un mix des deux. J'ai pas pris du tout les mêmes teintes. Je le pensais plus foncé celui-là, vous voyez. Pour ça, il faut toujours se fier à son nuancier et pas sur le crayon. Faites pas comme moi. Mais les couleurs sont peps. Enfin, c'est. Pour du crayon vraiment peu cher. Putain, Simone à la fin. Moi, je préfère ces deux-là. Mais bon, je les utilise quand même, hein. Je les utilise aussi dans mes mystères, les squares. Ouais. C'est crémeux, c'est. Moi, ça a été mes chouchous pendant un moment. Hein. Avant que j'aie mes prismas, c'était les 180 tournesols, mais à fond de balle. À fond les ballons. Et puis bah, pour les mystères, bah, c'est les 520. Bon, je les rangerai plus tard. Bah, on y croit. Dans un mois, ils seront rangés. Les squares, du coup, ils sont un petit peu plus secs, mais la superposition est plus belle et il n'y a pas de dépôt. Bah, c'est, ils sont plus. Et il y en a qui disent que c'est la même chose, mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas la même chose. C'est, je sais pas. Et avec eux, faut y aller en. Oui, tu peux limite y aller en couche. Mais moi j'aime pas les crayons carrés. Déjà j'ai du mal avec les drawings parce qu'ils sont gros. Mais alors les Black Edition là, oh, j'aime pas. Mais les bruits de fenêtre, ça reste des bruits de fenêtre. Moi j'aime. Ah! Il y a moins de dépôt. C'est sûr que les. Coucou les vies! Ceux qui font le plus de dépôt, ça va être les 180 tournesols. Parce qu'ils sont beaucoup plus crémeux. Je m'y habitue. Ça va. Mais en prise de main, bien rond. Bah oui, c'est sûr, les ronds, c'est mieux. Merci, Taz. Ben, j'ai mon nez qui commence à. Oh, fait suer. J'ai pas envie d'être malade. See you. Choupi, la 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 la, ah la la la,
Tic, 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 tam, tam. Les squares me font penser au visuel, au crayon de ma puce. Tu fais affaire quoi du coup, Taz, là? T'as quoi de prévu pour aujourd'hui? T'es en forme ou ça va pas? Ton rendez-vous de ce matin? Tu t'es bien fait tripoter? De rien. Je le sais, une petite hein, séance d'épée, ça fait longtemps. Oui, réponds. Ah, j'ai mis. Merci, Monica. À bientôt. Séance d'épée, ça fait longtemps. Après, peut-être colo. Oh, d'épée, il faudrait que je. J'ai mes trucs là. Gorgeous à faire. Il faut que je les fasse. To say. Mais dis-nous, Tasse. Bye. Je vide les placards et je suis retombée dessus, ça m'a donné un peu envie. Moi, j'en ai un en cours depuis tellement longtemps. Ma Pocahontas, là, ça fait tellement longtemps. Et je me dis, oh, faut que je sorte le truc, ça va prendre de la place sur le bureau et tout. Et puis, j'ai envie de colo. Et puis. Je te donne un petit échantillon. Un petit échantillon. Apparemment, je suis spécialement tendue et énervée selon mon fils, vu que je lui ai demandé, en le voyant, mettre la poêle à l'envers, mais par-dessus un tupperware. Qui donc ne se lavera pas? Ben, je suis apparemment spécialement tendue, soi-disant. C'est un DP de ma fille que je finis là. Ah! Tu t'es fait embaucher par ta fille? Il faut que ce soit fini pour quand? Moi, ben, j'imagine même pas, je lui montre même pas que ça existe parce que. Loose control next to me. Il veut pas se trouver un appartement, Enzo, au lieu de se chercher une voiture, en fait. Possible. Je viens de voir ta phrase de follow. Allez pousser maintenant. J'ai craqué, je te dis, ce matin. Ça, et puis l'alerte de follow. Tu peux enlever l'épingle. Non, ça s'en va tout seul. Oh, t'as mis combien de temps? J'ai tout le long du chat pour répondre à la question. Tout le long du stream. Oh.
Attends. J'étais en train de laver les sols. Il avait mis l'huile à chauffer et son eau pour ses potates. Non, pour ses pâtes. C'est aux pâtes. J'ai entendu la porte. Je lui dis, bouge pas. C'est mouillé. Je te cuis tes escalopes. Il me dit quoi? Mais attends, tu vas mettre les pâtes en même temps que les escalopes? Je vais devoir les réchauffer au micro-ondes. Vu la viande sera pas cuite, j'ai pété un boulon. Mais les escalopes de poulet, c'est aller-retour 10 minutes max, pas comme lui, 30 minutes. 30 minutes. Pour brûler la poêle et les escalopes ressemblent à de la semelle. 22 ans, je le nourris, ce gosse, il veut m'apprendre à cuire des escalopes. C'est parfait, hein? Je lis bien, hein? T'as vu? Je m'entraîne, tu sais, hein, le soir dans mon lit. Voilà. Je prends ma lecture du moment. Je sais pas, de Barbara et Abel. Et voilà, je lis à voix haute. Waouh! C'est génial. Mais je suis en train de me dire que celui-là, c'est le même. Et là, il repart, c'est ça? Bah non, parce qu'il a une tête là. Ça peut pas être le même. Au final, j'ai cuit escalope et pâtes en même temps. Et miracle, tout était chaud et cuit en même temps. Waouh! Ce soir, c'est les vacances ici. 2 semaines avec les petits monstres. Youpi! Bah, moi, ça sera en dernier alors. Moi, c'est à partir du 20, 19 au soir, les vacances. Du coup, ça va dire pas de live. Ça va être encore tristesse. Il m'a dit quoi? Bah c'est pas cuit quand je lui ai donné son assiette alors que c'était cuit, précision importante. Mais fais-lui un aller-retour. Non mais, fils indigne. Colis dans ta boîte aux lettres, Taz. Taz, un colis est arrivé dans ta boîte aux lettres. Elle va pleurer, la dame. Oupsie. Il y a de la savate qui va voler. Et moi, dégoûtée, je suis allée à la poste ce matin. Je regarde le prix des colis. Je me dis, oh là là, j'aurais dû mettre ça dans une enveloppe en fait. Mais non, avec le manteau, c'était pas possible. Ça va, tu peux choisir petit ou grand. Hein. Moi, j'ai pris petit, même s'il était grand. Arrêtez, je vais ombrer. Je vais ombrer. Tu vas pas ombrer. Mercredi, sombré, ouais, c'est plus ça. Mercredi. Attends. Tascolore est attendu à sa boîte aux lettres Tascolore, merci. Elle va chouiner. On n'a pas l'image, c'est nul. Si jamais vous avez des annonces à faire, appelez-moi. Ah ouais, ça paye de faire des annonces micro en magasin. Hein. Waouh. Je vous dis pas hein, quand c'était la galette des rois. J'en pouvais plus de faire des annonces.
Mais à la fin, c'était pas drôle, je m'entendais pas, j'étais en station. Oh, le pire, c'est quand j'étais en caisse en même temps et je devais continuer à faire les annonces. Et c'était la période de la galette des rois pour la Reine des Neiges. Et moi, j'étais là, j'avais les clients qui me regardaient. Et j'ai dit, Reine des glaces. J'étais pas bien. Mais personne n'a relevé le truc. Mais moi, j'étais pas bien. Je savais que j'avais dit une merde. Oh, putain. Mais ouais, la Reine des glaces. Waouh. C'est passé crème. Ça s'est vendu, genre. Je m'emmène. J'ai pas osé appeler le médecin. Je savais pas si c'était encore lui ou si c'était le bien. J'ai pas osé. Mais va falloir parce que. De toute façon, faut que je reprenne rendez-vous. Il va pas vouloir. S'il faut qu'il me fasse une ordonnance pour quelque chose ou quoi. Suite à mes analyses. Mais je parle du nez, ça m'énerve. Bon, après, je pense que je vais faire au stylo de verre. Pour pas faire que du gris, je pense que je vais faire un peu au stylo de verre du doré sur les écailles des bestiaux. Fantastic et sec. I want to take a wag on the disgusting. Pourquoi y a colis 2? Je sais pas. C'est pas moi, hein. Moi, c'est déjà arrivé, hein. Enfin, il y en a un qui vient de partir ce matin, mais c'est pas moi. Donc, tu te débrouilles, madame. T'ouvres et puis tu vois. Puis après, tu cries si tu veux. Mais voilà. Parce que là, t'as reçu de qui? Non, je vais filmer, c'est votre punition cette année pour m'acheter des trucs. J'ouvre pas, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle est relou. I wanna take a ride on the disgusting. Tu vas ouvrir quand? Tu vas le filmer ce soir? Elle est, voilà. C'est votre sentence. Je me fais violence pour ouvrir en filmant en plus. Attends, tu veux que je mette le live en pause et tu filmes? Parce que je dois attendre et pas toucher et j'ai deux colis. Parce que là, t'as reçu qui? T'as reçu moi? T'as reçu Cheryl? Attends. Je sais plus. Je vais filmer à 16h. Mais oui, la prochaine fois, j'en vois rien. Punition. T'as eu des suées? Ou ça va? Je me souviens, à l'époque, elle était pas bien. Pouloulou! Elle était à la limite de l'AVC, hein. Quand elle recevait des colis. Et là, je m'étais dit, elle est bizarre, la dame, quand même. Elle est bizarre. En vrai, c'est pas punition. Je veux vous partager ce moment. Je vous le dois, bien quand même. Que vous ouvriez en même temps que moi. Je viens de manger une pizza, je vais la renvoyer, je pense. Faut que je trouve une émote vomito. Faut que je trouve une émote vomito. Il y a encore un serpent là. Il y en a partout. C'est quoi les phobiques des serpents? Ça s'appelle comment? Arachnophobe, c'est pour les araignées. On en a une sur le chat. Puis ça me donne envie de pipi, je reviens. J'ai un bébé cheveux qui me picote le nez. Game. I wanna take a ride on my disco stick.
Disco steak. C'est la discothèque où tu manges des steaks. Ouais, un disco steak. Je sais pas s'il y a des frites de fournier avec, par contre. Tu verras ma vidéo que j'ouvre tes paquets. Araserpophobie? Bah, c'est compliqué, hein. Ils auraient dit serpentophobe, ça aurait été plus clair, hein. Du coup, j'ai peur maintenant. Oui, va pipi. Faut que je baisse le son, hein. La musique, elle est trop forte chez moi. Mais si je la baisse là, faut que je la baisse là. Il faut que je vous la remonte là. Je pense que c'est bon. Lis mon message précédent. Tu as peur? Tu as peur de quoi? La phiophobie ou aphidiophobie? Ah, c'est ça pour les. Donc ce qu'elle a écrit là, c'est nul en fait. Faut pas que je fasse attention à ce qu'elle a écrit. C'est de la merde, c'est ça? Encore plus haut? Non, non, c'est bon. Oui. Il faudrait voir si je peux pas justement faire comme Taz. Elle appuie sur son oreillette pour pouvoir couper la musique. Je sais pas si je pourrais pas avoir une touche sur le clavier pour que la musique elle s'arrête. Je sais pas si je peux pas, je pense, avec Windows. LDR. Mais il y a toujours son truc à afficher épinglé là. C'est bon? Pas encore fini, punaise. Non, ça m'étonne pas. Mais bon, je me suis dit pour une fois, elle avait peut-être cherché sur Google. Mais non. Voilà. Ouais, faut que je cherche mon stylo. Plume de verre. Stylo. Non, c'est ma plume en fait. Ma plume de verre. Faut que je la cherche. Ta musique est trop forte par rapport à ta voix. Ah, j'ai trop remonté. Est-ce que là, c'est mieux? Ou pas? Ok. Ouais, n'hésitez pas à me dire. Parce que, bah ouais, j'ai pas de retour en fait. Je sais pas. I just wanna shine on you, on this domain. On island, babies, look at the sun. Everyone. Bon. Perfecta Bruna. Mais là, c'est tout, j'ai mis ma plume. Tu sais? Non, tu sais pas. Eh ben, merci. Merci beaucoup de ton aide, assistante. Ah, je crois qu'elle est par là. Allez là. Hop, l'eau. I just wanna show you money when next to mine all night long.
de ça. Yeah. Mais bon, c'est chiant, va falloir que je la secoue toutes les 2 secondes. Putain, j'étais forte hier soir. Est-ce qu'elle va bien vouloir marcher celle-ci? Forêt, forêt, yeah, yeah, yeah. Je sais pas si elle va vouloir. Oh, meuf. Yeah, babies, look at the sun. Il faut déjà que je leur secoue. Oh, ça va être chiant. C'est ça, chiant, cette encre-là. Pourquoi tout le temps, faut secouer, secouer, secouer. Je vais prendre ce qu'il y a dans le bouchon. Il n'y en aura pas assez. On va voir. Calm down. Calm down. Calm down. Oh, you down. Oh, 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 oh. Attends, je la nettoie à l'alcool, je pense, ma plume. Parce que là, si je mets la plume dedans, ça fait quoi? Ça me fait du doré quand même. Ouais. Two twice. Calm down, calm down. Coucou des courses, pas le son, j'espère pouvoir être là pour 15h15. Faut que j'apprenne la langue des signes. Il y a beaucoup trop de viewers sans son. Je sais pas si je lui ferai pas les yeux en or aussi, lui. J'ai regardé sur le shop du coup de Simone. Il n'y a rien de nouveau de gratuit dessus, surtout. Rebond, je sais pas où est Snow. Ah ouais? Il est sorti?
Bah, il fait 26 degrés, c'est nimp. Ouais, il fait beau et il doit faire bon aussi là dehors. Pourtant, ils annonçaient du moche. Et ça va me saouler s'il faut que je mélange toutes les 2 secondes. Ça va être chiant. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Il va de sortir de nulle part encore ce con. Nana, 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 non, faut que je remue. Putain. On a 20 d'annonce chez moi. C'est super bio? Non. Ça va valoir le coup que je remue toutes les 20 secondes alors. Du coup, j'hésite à faire du coup les marques de son visage comme ça, avec le doré. C'est déjà... Oh. C'est déjà dilué, sérieux? Check ta bottle. Oh mais oui, mais c'est chiant. Sérieux. Ils auraient pas pu mettre un liant qui fonctionne. C'est relou à la longue. Au bout de 2 secondes, c'est déjà dilué. Nana, 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 nana. Ça y est. Gaïoul. Avec ses problèmes de gaz. Et de retour. Comment ça va, Gaïoul? Gaïoul est en bonne santé. Que voulez-vous? Ça, je l'avais pas enlevée, celle-ci. J'en avais marre de l'entendre, celle-ci. Je croyais que je l'avais enlevée. Au revoir. Vous avez été supprimé. Désolée. La vieillerie. Mais non. Quand vous pétez. Le gaz. I'm a boss, I'm a bitch, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss. Val va bien, merci. Du coup, je te vois et je pense à papy.
Sur le, il a posté des colos sur le Didi. Bah. J'ai pas les mots. Moi, je veux le voir faire ça, moi. T'es pas sur mon Didi? Sais plus si je crois que je l'ai mis. Bah t'attends pas, c'est pas un Didi à la hauteur du tien. Hein. Moi, c'est le strict minimum. Hein. Maintenant que l'autre, c'est l'autre qui me tend. Revends tes gosses, revends-les. Dis-leur de sortir quand t'es à la maison. T'es à la maison, pop-pop, qu'ils sortent. Ouais. Bon, il y a des périodes, je pense. Bon, alors. Ça, on va faire celui-là. Elle veut mettre ses godasses pour trouver, pour traverser l'appart alors que j'ai lavé les sols, bordel, pour aller sur la terrasse de l'autre côté, voir s'il y a snow. Elle me dit, mais sont propres. Oh là là. Dis-lui d'aller voir Inox gravir l'Everest, c'est ça qu'il fait. Météo. 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 Mais je pense qu'elle dit météo, hein. Je pense. Mais moi j'entends météo, hein. T'étais où? Elle a une nouvelle lubie. Je te dirai en MP, elle traîne ses oreilles là. Lol. Je m'embête avec mes CDC, mais j'aurais peut-être dû prendre Néocolor ou ça aurait été beaucoup plus rapide. T'étais où? Coucou Dino! Ça va? Météo, météo, dis-moi, t'étais où? Mais ouais, ça serait bien qu'on ait un beau week-end, quoi, là. On a eu un week-end de Pâques pas ouf. Oui, c'est des vacances. Pour toi. Le tube du grenier.
Non, c'est quel? C'est celui-là que je vais me prendre. The world is mine. Jean-Paul. Il faudrait que je fasse le dembo en même temps que celui-là. Que je reste dans le gris, quoi. Ça serait dommage. Du coup, les animateurs, on kidnappe vos enfants. On verra si on vous les rend ou pas à la fin du séjour. Ah, tu peux garder les miens. Il n'y a pas de souci. Garde les miens. Je te les donne. Je vais commencer aussi Dumbo. Parce que c'était derrière. T'en as pas un autre avant? Je veux que t'aies du retard en fait. Ah non, merde. Je voulais que t'aies du retard. Mais non, ça y est, tu l'as rattrapé. C'est pas juste. Oh. Quoi ce week-end? Faire Dumbo ce week-end. No, je l'ai posté, Ondine? Non, je pense pas. J'ai vraiment un problème de postage, hein. Mais il devrait me payer pour poster. Là, il n'y aurait pas de souci. Quoique. Tu veux vraiment je loupe, je me loupe et que je te loupe. Je veux qu'on se loupe. Que nous nous loupions, que vous vous loupiez. Qu'il se loupe, quoi. Poum poum poum, param, poum poum poum, poum poum. Tout est une histoire de looping. Hein. Tout est une histoire. Une histoire. Une histoire. Loupier. Loupillé. Loupillon. Loupière. Voilà, loupière surtout. Je l'ai posté, Zarina? Ah bon. T'as pas reçu un colis par hasard? Qui ça? Moi? Je sais pas. Tu sais, je suis pas connectée à ma boîte aux lettres. J'ai loupé Doudou, ça c'est sûr. Oh putain. Moi ou la dame? La dame. Non, pas le mien. Enfin, le mien. De chez moi. T'as vu une autre venue d'ailleurs qui est censée arriver? Hein? Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. Parce que moi, j'ai rien compris. Attends. Non, pas le mien. Enfin, le mien de chez moi. T'as un autre venu d'ailleurs qui est censé arriver. Chez moi? Pourquoi? J'ai pas de colis qui doivent arriver. Pas pour moi? Oui, si, relis. Mais... Ton colis, à toi? Tu devais mon que tu m'as envoyé il de, qui devait arriver peut-être demain ou demain début semaine. Ah bah demain t'as dit c'était samedi. Non? Pourquoi ça sonnait? Je comprends rien. Je suis perturbée avec ça.
Non, pas le mien. Le mien arrive demain. Oui, mais un autre venu d'ailleurs doit... Je comprends rien. Un autre venu d'ailleurs, mais pourquoi je devrais en recevoir un venu d'ailleurs? Mais quoi, comment ça, un venu d'ailleurs? Tu dois recevoir un colis qu'elle t'a envoyé d'un autre endroit que ce que tu t'attends. Non. Oh non, putain. Mais c'est pas... C'est ma fête, c'est le 28, hein. Ma fête, c'est le 28 et mon anniversaire, c'est le mois prochain. Donc, il y a un problème, madame. Ton anniversaire, c'était à toi. C'était ton anniversaire à toi, c'est pas... Tu vas en avoir deux, merci. Comment ça, je vais en avoir deux? Putain, mais elle m'énerve, cette dame. Pourquoi je vais en recevoir deux? C'est quoi ton problème? C'est pour une reconnaissance éternelle. Non, mais ça suffit. Mais je vais avoir des problèmes avec ton banquier, moi. Ah, tes conneries? T'as zéro problème? Ouais, fais gaffe. Parce que tu vas en avoir. Hein. C'est peut-être pas des chansons que je vais te chanter hein, la prochaine fois en, en vocal. Mais oui, putain, pardon. Punaise. Que tu vas dire que c'est pas à cause de moi. Me suis pas acheté de chocolat ni de dessert pour vous envoyer vos cadeaux d'amour. Mais patin, ouais. Patin de glace. Tenir. Je l'ai déjà fait trop de fois. Je ne veux pas de celui-là. Oh, punaise. C'est pas possible. C'est pas possible. Le meilleur de ce qu'on était. Tu iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Ça me stresse. Pardonner, pardonner. Recommencer. Je sais ce que tu vas faire, Tas. Tu vas ouvrir une chaîne YouTube où tu vas faire des reprises de chansons version portugaise. Ça va cartonner. Surtout l'été, ça va faire des tubes. Dans les mains. Puis on fera les cœurs, moi et Cheryl. Même que c'est pour ça, je vous envoie la deuxième vague, telle le Covid en mai. Et j'espère qu'Assis, tu vas chialer. Je vais être appelée à la télé, c'est sourd. C'est sourd. Tu vas tout faire. Les JT. Même dans Top Chef, ils vont t'appeler. C'est sûr. Pour les pastèches des nata. Sourd, sourd. T'as du coup là, t'as, tu t'es fait des copines à la poste là ou comment ça se passe? Mais oui, tu peux. Avec Cheryl pour les cœurs derrière. Mais oui! Puis on fera comme ça là. On fera des, des vibes. Dino, t'es dispo? Il va peut-être nous falloir peut-être un mec. On va demander à papy. Et toi, la Corée avec Didi, vous avez la même taille. Oh, putain, oh, c'est moche.
Ah, c'est dégoulasse, madame. On, pas la taille. D'accord? Guinot devant, il nous fait le pare-brise. Mais là. Le tour. Ton alma po. Zadir. Souffrir. Ouais, j'ai fait peur aussi, t'as vu. Ce qu'on aimera demain, être mes peurs de près. Entrer. Je suis. Voilà, je suis prêt. Mèche à l'air, oublie pas. Lol. Va falloir me trouver une perruque alors, parce que sinon ça va être compliqué. Il faut qu'on trouve une perruque à la Titeuf. Vous allez pas me faire pleurer tous les jours, hein. Faut arrêter les gens. Ça suffit. Que je veux, c'est de l'étoile dans les yeux. Me regarde. Marque. Des étoiles dans tu verras, t'as une mèche, tu le sais juste pas encore, je vais te la faire découvrir. De toute façon, c'est compliqué de faire pire que maintenant. Moi je te prends, je t'en prête pas, hein, dis-nous, hein, j'en ai déjà pas assez pour moi hein, de cheveux, donc c'est bon. Tu te démerdes. Tu verras, tu seras sublime. Fais-moi confiance. Sublime, pardon, sublime. Sublime, ma chérie. Coup, je me suis pas fait de cappuccino. J'ose plus m'en faire parce que je me dis que ça vient de là, le chlore. Parce que je faisais chauffer mon eau dans ma bouilloire avec l'eau du robinet. Et je me dis que c'est ça, le chlore que j'ai dans le sang. Je sais pas. Moi, je vais coiffer semaine pro. J'ai hâte de vous remontrer ma tête. Moi, je vais essayer de faire mon henné ce week-end. First,
Faut que tu achètes une de ces carafes d'eau avec une recharge qui permet d'enlever le chlore et toute impureté de l'eau du robinet, et ensuite tu remplis ta carafe. Ah, faut que je m'achète une Brita, un truc comme ça. Avec cette eau toute propre. Ouais, faut que je m'achète une Brita. Un an, je suis plus allée. J'ai plus du tout de blond, je me regarde même plus. J'ai peur de moi-même quand je croise un miroir. Ouais, faudrait que je me trouve une Brita. Ça coûte la blinde, ça, non? Ou faudrait que je m'achète du charbon actif? Ouais, un genre de même chose de marque en dessous. C'est quoi que j'entends? Bella, t'as fait caca? Je vais faire ça aussi parce que je la bois du robinet, moi, comme ça. Ouais. Mais moi, je pense que c'est ça. Parce que je vois pas d'où. Je vais pas à la piscine, hein. J'ai pas bu la tasse, hein. Je vois pas d'où viendrait le chlore, en fait. Trop cher les recharges et plein de plastique à jeter. Faudrait que je trouve des gros trucs de charbon. Charbon actif, ça doit s'acheter, ça, dans les bâtons de charbon, ça suffit. Ouais. Donc, ouais, faudrait que je trouve ça. Je sais pas trop où. Biocop ou je sais pas. À côté, j'ai quoi? Si j'ai une Biocop. Il faut juste anticiper parce qu'il faut laisser agir 1 heure. Ouais, bah ouais, tu prépares ton. Faut que je m'achète un gros pichet. Tu as des gourdes avec du charbon actif à mettre dedans, mais c'est pareil, la recharge, il faut l'acheter, tu mets pas n'importe quoi dedans. Avec la recharge, on te dit que tu peux faire 1 mois, mais si tu l'utilises uniquement avec les carafes, il y a moyen de faire 2-3 mois. Maintenant, le chlore que tu as dans le sang, je pense que c'est ton corps qui le produit. Ouais. Oh, c'est pour ça, je sais pas. Il va falloir que j'aille voir le médecin, mais j'ai peur que. Voilà, de ce qu'il va me dire, le machin, donc à chaque fois. Puis ne serait-ce que d'appeler, ça me. Good fire, you're happy, you're happy. Faut que je voie si la semaine prochaine mon médecin, le mien, est revenu. Ou si c'est toujours le remplaçant. Je sais pas. Mais le charbon, ça rend pas l'eau noire? Non, mais c'est un truc exprès. Non. C'est pas le même charbon. C'est pas le charbon à mettre dans les locomotives. Je pense pas. Pour le temps de recharge, parlez sur une Brita de marque en dessous. Et pour les recharges charbon actives, j'avais acheté une gourde avec le charbon chez Nature et Découverte. J'ai pas de Nature et Découverte. Mais je me paierai. Je me verrai pas l'acheter ailleurs et ça coûte quand même. Et coucou Adé! Ouais, faudrait que je regarde. Parce que ouais, l'eau du robinet, je l'utilise juste pour ça en fait, pour ma cafetière. Il faut que je mette ça pour faire le ménage en fait. Pardon. Merci pour ton lurk. Moi j'utilise la carafe histoire de ne pas avoir à faire trop souvent le détartrage. Vous ruinez pas avec des trucs spécifiques. Non mais moi je suis pas. J'aime pas me ruiner de toute façon. Donc si c'est pas, pas trop cher, bah, je prends pas moi. Ma carte bleue a ses limites. Ah. Sinon, tu achètes le filtre qui s'attache directement à ton robinet et on n'en parle plus à part pour les recharges.
Enfin, je regarde ce que je peux. Les solutions qui s'offrent à moi. Prada. Sinon, Taz, t'as kiffé ton moment hier soir chez Guidi? On a marqué le coup cette année. T'as pas vu mon message? Attends! Attends. T'as des carafes chez Action maintenant avec les recharges beaucoup moins chères que l'État. Ah ouais? À voir parce que ça doit faire beaucoup de déchets quand même. Je vais voir. Ouais, c'est ça, le plastique. Ouais. Donc voir si je trouve à. Je vais voir ce qu'ils font à Biocoop. S'ils font des trucs charbon actif, je m'achèterai un pichet, un gros pichet. Le plastique, c'est un enfer, hein. Toutes les semaines, on vide. Oh. Bah, de toute façon, tu reviens des courses et. Oh là là, c'est l'enfer. Oh, j'en ai marre. T'achètes des trucs, c'est tout en sachet individuel. Après, oui, c'est pratique, mais ça fait suer. Ouais, dans les années 80, on y croyait. T'as une Brita, toi? 6 mois, un bâton à tremper et hop, au compost après. J'ai pas de compost. Ils nous en ont pas mis un, c'est étonnant. Parce que maintenant, normalement, c'est passé le truc. Mais non, on n'en a pas dans la résidence encore de compost. Les recharges sont à 5 euros. Les Brita, c'est 20 balles. Ah ouais. Parce que ouais, moi je la bois. Enfin voilà, je la bois parce qu'elle est bouillie, l'eau de la du robinet, sinon je ne la bois pas. Hein. Amiens, hein. Je sais que quand je sors de la douche, je peux vite mettre ma crème, hein, parce que sa craquelle, elle est calcaire comme Jaja. Hein. Puis je trouve qu'elle a. Bah, de toute façon, elle a un goût, elle est. Bah, j'aime pas ça. Hein. We got no choice. Le charbon, ça rend l'eau noire, mais non. Ben, c'est pas grave, tu achètes de quoi accrocher une jardinière à ta fenêtre. Plus la jardinière, un peu de terre, le charbon, tu le fous dedans et tu plantes des fraises. Ouais, il faudrait peut-être que je me mette des jardinières sur le balcon. Il faudrait déjà que je m'achète une table et des chaises, ça pourrait être bien. Bah, j'ai pas encore testé Taz, justement, je dois le faire parce que si ça va, comment te dire qu'Action va devenir mon meilleur ami? Ouais. C'est comme pour les aquariums, ça filtre l'eau, mais ça la rend pas noire. Je vais voir demain Action, s'il y a des carafes comme ça, je bois que l'eau du robinet, c'est peut-être pour ça que je suis aussi pourrave. Je bois de la matière fécale. Qu'est-ce que tu me fais lire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu me fais dire? Ah, mais pourquoi moi le charbon c'est noir, même sur les doigts, tel le pastel sec? Non, mais non, t'as différents charbons. Oui, tu seras très très intelligente. We got no choice. Allez, oh, c'est ouf, il me rend dingue ce truc. C'est pas la même marque que les Artistro, hein. Pourtant ça aurait pu. Hein.
Bah, j'écris comme je parle, j'y peux rien. Bah ouais. Physical. Non, elle n'a pas disparu, la musique. C'était l'outro. Ça marche pas, ton encre ton encre en soirée Wooten. Mais elle fait que de se diluer, en fait. C'est chiant, je dois toujours la shaker, shaker, shaker. C'est chiant. Je suis pas la seule à avoir ce cas-là. La tienne, elle est pareille. Mais oui, j'ai eu peur. C'est pour ça que tu l'as pas acheté. Ah, mais c'est chiant. On n'a pas. C'est pareil, la Silver. J'ai pas fait gaffe à ça. Elle est toujours en mouvement. Elle se pose jamais. Elle est relou. Là, je peux déjà l'archer. Le lion, il est pas bon. La formule est pas bonne, les gars. Ouais, Winsor & Newton. Ouais. Ah, les sons sont forts aujourd'hui. Non, vous trouvez pas? Woman. Maybe. Sauf pour le follow. Attends, j'ai mis un son. Woman, woman, j'en ai oublié là. Maybe the woman, 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 woman. I can be the woman. Ah, Mag, elle est en lurk, mais elle donne à bouffer à Simone, c'est bien. C'est bien, Mag. Je me fais mince, Gaëlle qui fait bisous à Mag. Du coup, Taz, je suis en train de penser. Oh, attention. Mocha. Patata. Mocha. Tu pues des bras. Première fois que j'utilise mes poings. Petit cul. Un petit cul d'avocat? Non, un petit cul de grenouille. Pourquoi un avocat, ça a pas de cul, meuf? Enfin, si, les avocats dans la vraie vie, mais. Oh, ça devient bizarre là. Ça suffit. Vous êtes pas sage. Woman, 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 woman. Mais Cassie, va falloir que je baisse le son de la tienne. Hein.
J'ai flippé. Puis elle va me dire non. On aime les avocats à la mayo. Ouais, les avocats à la mayo, oui, ceux-là, oui. Avec un peu de crevettes. Faut que j'aille racheter des avocats, j'en ai plus. J'en ai pas pris cette semaine, j'avoue. Parce que j'en avais pris la semaine dernière. Et quand je les ai ouverts. Voilà, vous connaissez la suite. C'est à toi de choisir. Je le fais pas souvent parce que comme ça, je te fais pas peur tout le temps. Mais si tu la baisses, je pourrais le faire plus souvent. C'est quoi ça là en dessous là? Kirby. Mona Kelly, Belle des Velda, prends des Valda. Ça existe encore ça les Valda? Je pense. Ah, mercredi, je m'en suis foutu partout. Et vous savez pourquoi, quand j'en mange deux, au deuxième, j'ai un drôle de truc qui se passe. J'ai la gorge bizarre et la nausée qui vient alors que j'adore ça. Quelqu'un peut m'aider? C'est trop relou, tu prends les murs à point, ils sont noirs. Ok, super les gars. Mais oui, c'est ça. C'est la surprise. Trop de maillots, tasse. Mon enquête est belle de Velda. C'est mes va. Yo caméra, pour nous casser. C'est quoi là? Ah, c'est de l'or. Attention à ne pas faire d'œdème. C'est trop chelou cette sensation. Moi, j'ai la bouche et la gorge qui picotent. C'est hyper allergisant les avocats. Ah ouais? On fait peur là. Je fais les swatchs de Mathilde et franchement, on n'avait pas eu un truc aussi beau jusqu'à présent, je trouve. Ah. Fais-lui part, hein. Fais-lui part, hein, de ce que tu en penses. Si c'est au deuxième, ça va. Je suis un œdème, Kalina. Ça vaut les schminques presque en granulante. En granul... Ouf, moi, je sais plus parler. Je démissionne. Oh, je démissionne. Ça vaut les schminques presque en granulante. Oh, j'ai hâte, moi, pour la dot carte. T'as commencé. Ce sera pas une dot card, c'est des dots. Tu vas avoir des. Tu vas. Bah, je sais pas si tu vas avoir des petits oursons ou des petits points, ouais, des boules. Parce que ça sera pas un point. Non, non, non. Généralement, oui, t'as des petits trucs comme ça, là. Mais t'auras pas ça, hein. Non, non, non. Je pense que tu vas avoir un truc équivalent à un petit godet, si c'est pas plus. Hein? T'as vu la fauteuil?
C'est un téton le truc, genre. Fait plus mal. Ouais, peut-être que t'auras des nounours. Il y en a une, elle va être jalouse. Le problème, c'est que l'œdème de Kink, ça peut t'étouffer. Elle veut recasser l'ambiance, Kalina! Tu préfères les boules? Chacun son truc, hein. Jamais, jamais. Mais c'est sûr, t'auras pas une petite crotte, hein. Ta fierté. Bon, alors on va faire lequel? Bon. On essaye de faire un côté, peut-être. Moi, bon, de toute façon. Mon ex. Mon. Bah non, mais si tu as des signes avant-coureurs, faut être prudent, oui. J'ai pris la totale dispo sur Etsy en bouboule. Mon ex. Ah, toi, tu pourras mettre un commentaire du coup. Parce que moi, du coup, j'ai pris via SimUp. Et je peux pas mettre du commentaire. Mais bon, là, j'ai une vidéo. Faut que je la monte. J'ai fait une vidéo pour Mathilde. Je t'ai fini depuis. Enfin, je revis. Bon, déjà, faut que je récupère des mains. Oui. Je peux plus rien faire. Sérieux? Oh là là. Vous aurez la paix après, je fermerai ma grande bouche. Mais lol. Non. Je remercie mon ex. Mon ex. Papy Guetta. It's complicated. Non, désolé. Jeune papa. Jeune papa Guetta. Really is for long for this. I wonder if it shows. Can only water know I can breathe. Good. Over me. Mais du coup, là, les auditions à l'aveugle, c'est fini? Je sais plus. Je suis toujours pas passée, hein. Ils m'ont coupé au montage. Oh là là, c'est moche. Ah ouais, je vais rebaisser Dragon Pet et c'est trop fort. Je suis vieille aujourd'hui, je supporte rien. Et j'ai rajouté le truc, Cassie. Je sais pas si t'as vu pour les points. Je sais plus quoi là. Tu m'avais dit là, hier, pas la semaine dernière, hier. J'ai rajouté. C'est pas overlay, si c'est overlay. Volume principal. Je rebaisse un peu. Oui, crédit. J'ai rajouté normalement. Je vais mettre mes gouttes aux yeux. Oui. Get Dragon Crédit, tu vois, avec 10 points de chaîne. Ça marche ou pas? When love takes over.
Et normalement, du coup, s'il y a deux personnes qui prennent, après, il n'y en a plus, c'est ça? Vu que normalement, j'avais droit à deux trucs. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais dû faire à l'aquarelle, ça aurait été plus rapide. Non, non, j'utilise mes prismas, je les aime trop. Au purée, Indigo, il est juste incroyable. Indigo, je l'ai Indigo? Oh my, oh my, oh my, oh my. Ça, c'est créa. Je crois que je l'ai pas. Mais ouais, hein, je les ai pas tous. Si, j'ai Indigo. Mais ils sont mal, là. Je suis frustrée. T'as vu, je fais pas de pub pour du vent. Noah! Maman, vous en aviez vu dans mes stories du coup à Noël, quand je les ouvrais, que je les swatchais, les aquarelles de Mathilde. J'espère qu'elle va en refaire un cette année, hein, du calendrier de l'Avent. Noah! C'est quoi? Si, c'est ça. Là. Là. Oui, mon enfant. Mais si elle en refait un cette année, il va falloir qu'elle prévoie d'en faire plus, je pense. Je sais pas combien elle en avait vendu l'année dernière. Noah! On a dit hein, que les chansons s'approvissaient en paroles. Hein. On l'a dit. Non. C'est vendeur aussi. Attends. Ça dépend si elle en fait une cinquantaine. Les premières arrivées sont les premières servies. Les autres devront se contenter de prendre les palettes déjà en stock. Il y a juste les gens qui n'ont aucune patience pour le délai d'attente qui me font vraiment chier. Bah, c'est ça. Mais bon, tu sais que c'est artisanal. Faut le temps que ça sèche, quoi. C'est des aquarelles. En plus, il y en a plusieurs qui ont râlé. Ça me saoule perso. Bah ouais. Ils sont trop habitués à voir tout tout de suite. Voilà, d'avoir des délais courts avec Amazon et trucs comme ça. Mais non, là, c'est de l'artisanat, les gars. Les gens, les gens. Ou tu vois avec la dame, voir si c'est des aquarelles qui sont déjà prêtes. Voilà. Mais si c'est sur demande, bah oui. Ça a un délai. C'est normal. Peut-être que ça serait bien qu'elle l'écrive en soie plus gros ou en rouge et que les gens ne s'attendent pas à la voir avant la date prévue de livraison. C'est sur Etsy que c'est pas affiché? Parce que du coup, je suis jamais passée par Etsy, donc je sais pas trop. Honnêtement, ça m'est. Non, j'ai pas prévu correctement mon truc. Honnêtement, ça m'est passé inaperçu sur ici. Elle en a
eu quelques-unes. Elle a dû intervertir les commandes. Attends. Plus récente pour que les gens se plaignent plus. Du coup, la pauvre, elle a dû revérifier chaque commande pour piocher dedans pour calmer les personnes. Oh là là. Il n'y a pas de délai clair sur Etsy, mais bon, c'est bien noté qu'il faut du temps pour la création. Sur Etsy, tu as délai de 1 mois quasiment pour l'envoi, c'est bien noté justement. Je vais le lui dire. Mais oui, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à aller la voir et à lui dire. Moi, je lui ai donné des petites idées. De toute façon, même si c'est écrit en rouge clignotant, il y a toujours des connasses qui râlent parce qu'elles savent pas lire. Oui. Moi, je lui conseillerais d'écrire aux gens quand elle n'a pas de stock sur une couleur pour leur donner un délai approximatif. Ouais. Mais vu qu'elle a un boulot à côté, hein, c'est chaud, hein. Je sais pas comment elle fait, hein. J'espère qu'elle va pas se noyer, qu'elle va pas nous faire un burn-out. Mais j'aimerais bien, ouais, qu'elle arrive à sortir un salaire. Ça serait cool. Parce que vous imaginez si Mathilde, elle fait ça, elle ferait que ça? Ce qu'elle pourrait nous faire comme tuerie. Ah, mais elle bosse à côté, oui, c'est chaud. Je sais pas si elle a un temps plein. Son patron lui a refusé le 80%, donc elle va continuer le temps plein et elle fera ça hors travail. Oh! Je lui ai dit, calme-toi, pense à toi. Elle est lancée et super motivée là. T'as commandé le 11 mars, t'as pas encore reçu? Ouais. Je suis pas sans arrêt assez basse. Bah, tu sais que ça va arriver. Tu sais que c'est en fabrication. Qu'elle soit entre de bonnes mains. J'ai commandé aussi dans ces zones-là. Je l'aurai avant le 8. Bah oui, les gens, ils sont relous, hein. Ouais, ça doit pas être évident à gérer, hein. In a world, no miracle, hurry up now, miracle. Oh non, mais tu vas pas être déçue, hein, Kalina. Ça, la main a coupé, hein. Yeah, I need you right now. Don't let me, don't let me, don't let me down. It's in my hand and in a hole. I need to the muscle. Down, down. Et re. Le ménage a été plus rapide que prévu. Je vois que ça avance. Ouais. J'ai pas l'impression d'avancer.
Je me dis que j'aurais dû prendre de matériel aquarellable, ça aurait été plus rapide. I need you right now. Parce que normalement, moi, mes colos me font, on va dire, 3 séances de colos. Habituellement. Il y en a des fois, je finis en un stream. Puis ça sert à rien de l'asséner de messages le temps qu'elle passe à répondre, elle ne le passe pas à bosser sur les com. Bah c'est ça. Ouais, il paraît que je suis une rapide. Il paraît. Il y a des jalouses dans le chat d'ailleurs. Je sais pas si je vais le continuer ce soir, si je vais commencer le Dumbo ce soir. Peut-être que il faut que je commence le Dumbo. Dumbo, il pourra aller vite. It's in my head, non. Avec les combos de Mademoiselle Disneyland. Hop, je fais déjà le personnage. Puis après, du matériel aquarellable et hop, c'est plié. C'est speedy, la dame. Mais je vous déconseille d'aller chez Speedy pour votre voiture. Voilà. La transition. Va pas le Speedy Damien, du moins, hein, parce que, mon Dieu. T'inventer des fuites, t'inventer des trucs pour te faire dépenser. Ouais. Il voit la nana arriver. Vous voyez le truc? Même pas commencé à colon. Sérieux, Kalina? Mais alors? Alors que t'étais vachement motivée? J'ai un autre problème, je peux vous en faire part, mais vas-y, Taz. Tu utilises quoi en matériel aquarellable, hormis ce que j'ai pris pour les marqueurs. Ah, par les aquamarqueurs, les Neocolor 2. Mais bon, ça a un coût. Sinon, pour débuter, je les utilise souvent, c'est ça. Les 36 craies aquarellables Hindenmitt-Hertz. C'est des dupes de Gelatos. C'est comme des tubes de rouge à lèvres. Pareil, je les applique sur ma palette comme ça. Je les aquarelle, mais on peut aussi les utiliser à sec. Mais moi, je préfère les aquareller. Et j'aime bien utiliser ça pour faire mes fonds. J'ai ça, sinon, bah, les Intense. Et de l'aquarelle. L'aquarelle, on aime. Je troue toutes mes chaussettes, mais pas au même endroit. Et mes pieds sont bien courts, les ongles précis, précision importante. Mais moi, c'est pareil, quand je rentrais du travail, j'ai mes chaussettes, tout le temps. Faut que j'essaie à sec, tiens. Ouais, tu peux essayer à sec. Mais moi, je sais que je préfère les aquareller. Ouais, il y en a, elles les utilisent vraiment comme des gelatos au doigt ou avec les. Je les ai rangés? Je les aurais rangés où? Ah, je me disais bien, c'est pas possible que moi je range avec les emboudoirs là. Non, mais Val, j'en ai trouvé 5 en 2 semaines de chaussettes. Ah, mais moi, tous les soirs, je rentrais du boulot avec mes chaussures de sécu. Tu peux être sûr que mes chaussettes étaient trouées. Tu sors pas? Ouais, bah ouais. C'est quoi ces bubules? C'est quand tu marches, c'est que ton pied il se balade un peu trop dans ta chaussure, je pense, peut-être ceci. Ouais, du coup, j'ai remis les émotes sur l'écran là. Je suis contente, je le vois, ça fonctionne. Les chaussettes, toute une histoire, mais. Ça, c'est le frottement dans les chaussures, tu peux rien faire. Ouais, t'es pas, ton pied il se balade, du coup ça glisse et puis bah ça frotte avec le dessus. Mais moi c'est oui, avec les chaussures de sécu, c'était très 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 souvent. Oh,
D'ailleurs, j'ai toujours pas été récupérer mes affaires. Last time your boyfriend. J'espère qu'on m'a pas piqué mes chaussures de sécu, justement, parce que bah, je les avais payées de ma poche. Ça y est, elle a trouvé. Elle fait mumuse. Cassie. Bah, toutes mes affaires, j'ai pas vidé mon casier et bah, j'ai mes chaussures de sécu qui sont là-bas. Mais elles ont pas dans le casier. On mettait pas les chaussures dans les casiers. Tu veux j'y aille? Faire la tête en losange, arrête. J'ai mes clés qui traînent. Je fais un truc que j'ai pas fait de. Enfin, je les ai pas touchées depuis. Les clés du boulot. Un jour, quand j'irai signer la clôture du contrat, je vais vomir ce jour-là. Je suis sûre que je vais vomir. Si je pouvais vomir sur la patronne, ça serait cool. Oh, finaise. Essaie de viser, ouais. Ouais. Chega, chega, mas estranha tâche. Nero. Chega. Du coup, ce soir, il y a le live de Kael, c'est ça? Ça va, on est occupé en ce moment, c'est bien. C'est le Santacho. Vierda. C'est ça qui nous manquait, c'est quelqu'un qui stream le mercredi. Là, on a eu Didi, c'était bien. Mais bon, mardi, on était trop crevés, on n'a pas pu. Moi, j'étais pas ouf. Du coup, on n'est pas allé sur le Didi de Kael, mardi. C'était ça? C'était mardi? Je vais réfléchir au mercredi. Et jusqu'au bout de la nuit. Vers 18h. Vous pensez qu'il va y avoir des choses qui vont tomber dans son caddie? Je pense qu'elle avait déjà tout pris. Parce qu'elle a pu chercher, pu trouver la semaine passée. So good. Puis elle a plus de boîte de rangement donc. Oh, I can't get enough. Body. Yeah, so out of control over my soul. I can't escape it. Non, c'est demain. Elle va à Action. Elle va aller à Action, mais je crois que c'est demain. Arrête, je lui ai envoyé un truc dans le colis. Faut pas, elle aille à Action avec mon colis. J'ai vidé mes tiroirs. J'avoue qu'il va falloir que je m'achète au moins une trousse. Des conseils. Allez, moi je prends que ces trousses-là. T'as vu tout à l'heure? Je prends que ces trousses-là, moi. Les pencil case. Attends, je vais remonter. Je prends que celles-là. Attends, tu les trouves aussi sur AliExpress, celles-ci. Mais enfin, faut. Ça dépend. Des fois, c'est moins cher sur Amazon. Et tu peux en trouver aussi sur Vinted. Des fois, il y en a certaines qui les revendent. Tu mets trois crayons par trois crayons. Et moi, je te conseille, quand tu fais ton nuancier de crayon, c'est de numéroter ton crayon avec l'emplacement qu'il a dans la trousse.
Là, tu vois, c'est mon 30e crayon. J'arrive pas à parler, c'est quoi ça? Et c'est le numéro 129. Comme ça, tu sais tout de suite où va le crayon, ça va beaucoup plus vite à ranger. Mais moi, j'utilise essentiellement celle-ci. Je sais qu'il y a des... Il y en a pour 120 emplacements. Moi, généralement, je prends les plus grosses, bien entendu. Comme ça, je peux mettre plein plein de crayons. Là, j'ai mis mon backup de Prisma. Mais celles-ci, elles sont bien. Mais oui, numéro de tes crayons. Et sur tes nuanciers, attends, un que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Parce que je le faisais pas au début. Et je regrette. Bah merde. Celui-là, si. Bah le Brut Fenner 520. C'est je mets le. Il y a le numéro du crayon. Et je mets le numéro d'emplacement dans la trousse. Comme ça, tu sais tout de suite où est ton crayon. T'as du mal avec les emplacements par trois, toi? Ouais, il y en a, c'est comme ça, ils préfèrent avoir un crayon par emplacement. Mais moi, je prends les trousses élastiques. Voilà, individuelles. Ouais, t'es ce genre de personne, toi? Ah. Non, moi, je veux celle-là, 3. T'es psychorigide un petit peu, toi? Non. 134, plus sûrement les 180 du Brut Fenner, je vais les tester et plus tard les 520 si je les kiffe. Ouais. Sinon, ça se balade à fond. Non, elle se balade pas. Tu peux mettre 3 crayons et il y a certains emplacements où tu peux en mettre 4. Mais non, ça se balade pas du tout. Pas du tout. Non, ça se balade pas. Regarde mes prismas. Au début, j'avais tenté de mettre les numéros des crayons sur les bords, mais ça n'a pas fonctionné. J'avais aussi essayé de mettre là, avec un papier machin, mais ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne, elle a mis de la colle chaude, elle. Les luminances. Par 3, ils sont très bien. Regarde, ils tiennent. Ils tiennent, ils ne bougent pas. Ouais, les prismas, ouais, ils ont morflé. Hein. J'utilise que ceux-là. Majoritairement. Ouais, mais si t'en sors un ou deux, hein. Bah non, même si t'en sors deux, trois. Non, ça tient, arrête. Oh, les liens à rallonge. Puis les designs, ils sont trop beaux. Voilà. Je sais plus où c'est que j'en étais. Voilà. C'est ta faute, ça, gueule. Du coup, le reveal, c'est quand? Je suis en train de penser. Là, dimanche, il y a le reveal de d'Isiac. C'est ça? On est le combien? L5? Non? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Bah, normalement, ça devait être dimanche aussi. Donc, toutes les deux, c'est dimanche. Ah, bah oui, vu ton état, ouais. Sais même pas si je t'ai tout envoyé. Moi, je suis ce genre de personne, je fais des colos pour tel ou tel challenge, mais je les poste pas ou. Mais je les fais. Genre. J'ai une question. Quelqu'un a un trépied à smartphone? Un trépied à smartphone? Non. Tu veux un trépied pour. C'est un truc comme ça? À pince? Ouais, ma ring light avec du plastique, du scotch, ouais. À pince, c'est une pince là-dessus. Tu veux un trépied comment? Après, t'as plein de trépieds différents. Cassie, j'étais 3 créas, oui. Mais Cassie, elle est toujours. Elle a du rabel. Qui est-ce qui en lance des challenges? Dizziak. Dizziak, si jamais on peut faire un petit saut à Dizziak, on peut faire un saut à Gaïoul.
Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Yeah! Et si je fais ça? Yeah! Et il y a le challenge de Taz aussi. On fait mais tout le temps dans le même bouquin, par contre, Taz. Pardon. Pardon. Je vais me faire disputer par la dame. Qu'est-ce que moi, ce que plaisque. Donc Gaëlle, oui, elle lance un thème, c'est par trimestre. Là, le thème, c'était fleuri. Et on peut envoyer n'importe quelle création, si c'est de la photo, si c'est un poème, me semble-t-il que ça passe. Création craft, ça passe. Là, c'est bon. Didi, là ce mois-ci, c'était le miam. Donc on a fait des colos sur le miam. Et Taz, eh ben, on avance ce livre-là. Un colo par mois et on l'avance dans l'ordre. Donc, il y a des ratés, hein, vous le voyez. Il hein. Y a des trucs, c'est moche. Il y a du gesso noir aussi, ça c'est magique le gesso noir. On aime le gesso noir. Le gesso noir. Quand le fond est dégoulasse ou trop compliqué pour moi. Donc là, ce mois-ci, on doit faire celui-ci. Pour le Taz, c'est mignon. Et tu vois, je fais que ceux-là de challenge et je suis en retard. Voilà. One. Mais bon, j'en ai fait trois pour Didi, je crois. Plus un dessin. Je sais plus. Et je sais plus combien j'en ai envoyé à Gaël. Je crois que j'en ai envoyé deux à Gaël. T'en as deux chez moi, Val. Ah. Faudra que je vérifie. Je sais pas si j'en ai pas fait plus. Tac, 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 tac. Et la plupart, je les fais en stream. Hein. Parce que vu que je stream trois fois par semaine, vous voyez quasiment tous mes colos. Hein. Pour ça, quand je fais ma vidéo des colos terminés, vous n'avez pas vraiment de surprise, quoi. À part si vraiment j'en fais un toute seule dans mon coin le week-end. Mais sinon, la plupart du temps, vous les avez tous vus. Et puis si en plus vous venez sur le Discord le soir, où on est en visio, et bah vous envoyez encore d'autres. Merci Taz. I must play, 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 play. Bah, je préfère faire le dessous des. Hein? J'ai galéré celui-là, je sais pas pourquoi. Il a été long à faire. Là, je ne sais pas trop comment faire parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Oh, j'adore cette chanson. Je vais venir squatter de temps en temps, je pense le soir. Il est temps que je pense à. Mais oui, mais viens! Ce soir, papy, il était avec nous. On s'est trop marrés l'autre soir. Ça nous a fait du bien à toutes. Everyday. Manoué. Oh, c'est quand que Cassie, elle est là. Ouh. Ouais, en vocal.
J'en étais sûre. Quand Cassie, elle est là, on est tenté d'acheter. Il est venu me souhaiter mon anniv. Mais ouais. Merci. I want you, I need you, oh God. Don't take. Stay. I want you, I need you, God. This beautiful thing that I've got. Ooh. Je chante en jetant ma nuque en avant. Mais les casques, ils sont toujours trop grands pour moi. Je marre. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Arrête. Il y a une fois, t'étais en train de. T'étais sur le site de Sparks, je me souviens. C'est quand j'ai passé la commande pour Gaël, pour Taz. Je suis en train de penser. T'as passé ta soirée sur le site. Please, stay. I want you, I need you, oh God. T'es une commerciale, Cassie. Du coup, on était là, on comparait. Et du coup, je sais même plus ce que je t'ai pris, Taz. Je t'ai pris une paillette. Une paillette. Je t'ai pris un. Je t'ai pris Tokyo, non? Tokyo. Je crois que je t'ai pris Tokyo. Parce que Tokyo. Ah ouais, des beaux Tokyo. Il est beau Tokyo. Peut-être, mais je n'ai rien acheté ce jour-là. Non, mais heureusement, parce qu'après, il y a l'annonce des Chromaflow qui est arrivée. Et Réti. Non, ça me dit rien, Réti. Ça me dit rien, Réti. Ouais. Like body. Il est beau, hein? Walking a street. Bordel, ce clavier. C'est le clavier, bien sûr. Si vous kiffez Sparks, vous allez voir sur Etsy Ondine Lab encore plus. Je la suis sur Instagram. Et ouais. Ouais. C'est espagnol, non? Ondine Lab, je crois. J'en suis tellement sur Instagram, je voilà, j'ai mes yeux qui e-huile aussi, mais e-huile c'est hors de prix. Voilà, même les grad bags là, mon Dieu. Ma carte bleue me dit non. Je sais pas si elle fait encore des lives Insta. Iwil, il y avait des moments, elle faisait des lives et on la voyait broyer et tout. Oh. Italien, elle est hyper gentille, c'est ultra bien emballé et elle envoie rapidement. Et je vois. Il y en a, elles arrivent à en vivre, hein, donc c'est possible, hein, mais. Ça doit être du boulot, hein. Parce qu'il faut du stock, hein. Il faut du stock. Faut de la place aussi. Moi, j'ai pas de place, je peux pas faire ça. Puis j'ai pas les poignets pour ça. I'm sexy and I know it. Encore deux croix craquées. Mais oui, tout est tentation. C'est ça le souci. C'est parce qu'avec le colo, on peut détourner plein de trucs. Le colo, le scrap, enfin, c'est.
On peut utiliser tellement de matériel. Et toi, en plus, tu n'aurais même pas à respirer alors que c'est pas la peine d'y penser. Ne tire pas vers le fond des abîmes. Il est sérieux? Il murmure la même? Mais oui. Allô? Mais non, quoi. En fait, je pense pas. Et voilà, Kalina vient gâcher l'ambiance. Ah bah merci, hein. Merci, hein. Je partage, moi, c'est tout. Et en plus, elle met plein de dot cards. Bon, je finis ça. Et après, je vais chercher mes gosses. Oh. En plus, c'est vendredi. Déjà hier soir, ils étaient intenables. Oh, on n'en pouvait plus. On se regardait avec leur père. On n'est que jeudi. Ça va être quoi demain, quoi? Mince, j'ai pas choisi mon futur mystère à écouter et regarder les beaux bébés sur les Discord. Futur mystère à écouter? J'ai pas compris. Ah, tu veux qu'on te donne un nombre au pif? Moi, je te donne le 20. Parce que le 20, c'est ma date anniversaire. Le 20. Désolée, tu as des enfants à aller chercher, vu que tu veux pas les vendre. J'ai essayé, il n'y a personne qui en J'ai essayé, on n'a pas le droit de les vendre sur le bon coin. Il y en a, ils ont des problèmes. Non, mais je vais les refiler à Dino. Bisous à des, un bon week-end. Fais des jolis colos. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid ou pas, du coup? Je viens de finir un roi lion. Là, j'ai Simba adulte. Attends que je lui ai fait sa mèche, cheval. Ouais, Adino, ouais. Je prends 20, 43 et 56. Je les posterai, je sais pas où. Mais tu peux les poster sur Didi, hein, sur le Discord, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre les wipes, donc les en cours. Et tu peux mettre les fins aussi dans je sais plus lequel. Bref. Ah oui, il y a Cassie. C'est vrai, c'était prévu. Donc je vais vous envoyer chez Cassie. Ma queue. Est-ce qu'il me la propose? Oui! Alors bon week-end à tout le monde. On se retrouve mardi. Je pense que je lancerai aussi plus tôt. Comme aujourd'hui, je pense peut-être. Des gros bisous. On se retrouve sinon ce soir chez KLDA. Et ce week-end, bah, chez Didi ou peut-être chez Gaëlle si Gaëlle va mieux. On verra. Des gros bisous. Prenez soin de vous. La bonne soirée.